Hello, ma chère Sélection, c'est Michel. Le défi 30 jours est toujours en marche. Et aujourd'hui, c'est la vidéo 26. Eh oui, plus que 4 vidéos pour terminer ce défi. Et aujourd'hui, j'ai une question pour toi. C'est qu'est-ce que tu plantes dans ton jardin amoureux? Donc voilà, tu vas t'imagines que tu as ton jardin amoureux. Voilà, donc toi tu es le jardinier ou la jardinière, et en tant que jardinier ou jardinière, qu'est-ce que tu plantes? Quelles sont les graines que tu plantes dans ton jardin d'amour? Regarde, aux fruits, tu sauras. Mais pourquoi je te pose cette question? Je te pose cette question pour que tu prennes conscience des pensées, des croyances, des énergies que tu émets, qui sont comme des graines que tu plantes. Est-ce que tu plantes de l'amour? Est-ce que tu plantes de l'harmonie? Est-ce que tu plantes l'enthousiasme? Est-ce que tu plantes la paix? Est-ce que tu plantes la confiance? Est-ce que tu plantes la joie? Est-ce que tu plantes la grâce? Est-ce que tu plantes la sensualité? Est-ce que tu plantes l'élégance? Je ne sais pas moi. Voilà, donc regarde qu'est-ce que tu plantes et aussi qu'est-ce que tu laisses pousser comme mauvaise herbe dans ton jardin amoureux, tu vois. Parce qu'en fonction de ce que tu plantes, bah, c'est quelque part ce que tu vas récolter, ok? Tu ne peux pas planter des pêches et avoir des pommes, d'accord? Non. Pour prendre conscience de ça, c'est de voir aussi, regarde ton jardin amoureux, qu'est-ce qui s'y passe? Quels sont les fruits, quelles sont les fleurs qui poussent, tu vois? Et on peut toujours changer les choses à n'importe quel moment. En tout cas, moi, ce que je t'invite à faire, quelle que soit ta situation, c'est vraiment de planter des graines graines d'amour, de joie, des graines qui vont te donner des résultats, qui vont te donner de belles fleurs, de beaux fruits, je veux dire, d'énergie positive, quoi, tu vois, et surtout prends soin des mauvaises herbes, ne laisse pas les mauvaises herbes, donc les pensées limitantes, les pensées noires, les pensées de dévalorisation, les pensées de tristesse, tout ce qu'on peut dire, pensées négatives, prendre la place. Parce que tu as remarqué, les mauvaises herbes, malheureusement, on n'a besoin de rien faire. Ça pousse tout seul et ça pousse super vite. En revanche, quand on plante des graines, je ne sais pas, d'amour par exemple, ou d'enthousiasme, ou de joie, ben, du coup, il faut l'arroser. Il faut l'arroser tout le temps, tout le temps. Là, je suis dans un endroit où il y a du bruit. Donc, si tu entends du bruit, j'espère que tu m'entends quand même. Donc, voilà, c'était le sujet du jour. Qu'est-ce que tu plantes dans ton jardin amoureux? Et la question aussi, c'est qu'est-ce que tu veux avoir comme fruit? Qu'est-ce que tu veux, tu vois? Donc, en fonction de ce que tu veux, ben, tu vas planter les graines qui vont aller pour avoir le fruit que tu as envie de récolter. Voilà, écoute, partage cette vidéo, fais-moi des commentaires, surtout partage avec moi les graines que tu plantes et qu'est-ce que tu mets en place pour les mauvaises herbes. Ben, il faut faire attention aux mauvaises herbes et les enlever de temps en temps quand même, sinon là, pour les mauvaises herbes, on n'a pas besoin d'efforts. En revanche, pour les graines, ben, il faut les arroser. Donc, et patience, persévérance. Une fois que tu as planté la graine ou les graines, pense à les arroser. Les arroser par de belles pensées, par la visualisation, par ta façon d'être, par ton attitude. Voilà. Quoi te dire d'autre? Mais non, on a fait le tour hein, pour aujourd'hui. Écoute, comme d'habitude, tes questions, tes commentaires sont les bienvenus. Et j'espère que cette petite capsule t'aura inspiré en attendant de te retrouver demain pour la vidéo 27. Vis pleinement et consciemment et surtout partage autour de toi.
Et tu peux toujours aller liker la page Facebook des célibataires conscients, le site www.lescéliconscients.com. Et tu peux aussi télécharger gratuitement mon e-book, hein, 7 clés pour vivre son célibat en conscience. Et surtout, surtout, partage autour de toi. Je suis sûre que tu connais des tonnes de célibataires ou même des gens en couple, hein, parce que tu vois, les sujets qu'on aborde, c'est pas juste. Ça peut inspirer tout le monde, en fait. Voilà. Allez, vive pleinement et consciemment. Consciemment tienne, consciemment vôtre. Ciao, ciao. Bye.